notre Dieu et notre Père, pour avoir guidé nos pas dans ta maison, Seigneur. Descends maintenant, ô Dieu, parle-nous, parce que nous sommes ici pour toi, Seigneur. Du début à la fin, nous consacrons ce moment à toi, pour ta seule gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous saluons au nom de Jésus-Christ. Et sans plus tarder, nous allons nous tenir debout afin d'honorer la lecture de la parole de Dieu. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 59. Nous commençons par le premier verset. La Bible déclare ceci. Non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang, vos doigts de crime, vos lèvres pour faire le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaît avec justice. Nul ne se plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent les crimes. Le deuxième écriture, nous le prenons dans 1 Samuel. Chapitre 12, verset 15, le seul verset 15. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, et si vous êtes rebelle à la parole de l'Éternel, la main de l'Éternel sera contre vous comme elle a été contre vous. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole, nous pouvons nous asseoir. Dans la même idée que nous avions commencé il y a quelques jours, comme sous tout titre aujourd'hui, nous allons intituler notre petite exhortation « Trouver la cause avant de pouvoir trouver les remèdes. » Amen. Amen. C'est là où la Bible est très claire avec nous. Là, nous relisons. Dans Ésaïe chapitre 59. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Dieu reste Dieu. Et sa parole est réelle. Et Dieu est fidèle à sa parole. Et c'est ainsi que cette déclaration est sûre et nous la croyons comme cela. La main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Son oreille n'est pas dure pour entendre. Le croyez-vous comme cela? Mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Empêchent de vous écouter. Et c'est très clair. Et si vous vivez dans cet état-là, n'attendez pas à une bénédiction qui proviendrait de notre Père. Parce qu'il est Dieu de sa parole. Je pense que vous croyez comme cela.
car vos mains sont souillées de sang. Juu mikono yenu najazwa na damu. Photo de crime. Na bilole byenu najazwa na pendo ya mauaji. Faire le mensonge. Milomo yenu inakiri bongo. Votre langue fait entendre l'iniquité. Na lulimi lwenu nashikirisha ovo. Nul ne se plaît avec justice. Hakuna mutu ekuna aliomba na haki. Nul ne plaide avec droiture. Hakuna mutu naomba na moyo mnyofu. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Banategemea pa bitu bya bongo na banakiri bongo. Ils conçoivent le mal et enfantent les crimes. Ekuna jaza bubaya na banaza bitendo bubaya. Voilà les choses qui nous séparent de Dieu. Tazabeni bitu nakwa ntenganisha na Mungu. Et pourtant nous sommes ses enfants. Japo tu batoto yake. Censés jouir de chaque privilège pour lequel il est mort à la croix. Banapashu furakia mabati yote ile yanakufia ku msalaba. Nous sommes dans cette période où nous sommes en train de faire cet inventaire. Pourquoi je n'ai pas eu le succès dans cette affaire que j'ai commencé à faire. Moi, fille de Dieu, moi, fils de Dieu. Pourquoi je n'ai pas eu le succès que je devrais avoir? La réponse est dans les messages. Soyons attentifs que le message nous donne la réponse. Et dans 1 Samuel, où nous avons lu au chapitre 12, la Bible dit encore. Samuel wa kwanza sura yake ya 12 tunasoma Biblia inasema point 15 kunukta yake ya 15 si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel kama amuti ku sauti ya milele et si vous êtes rebelle à la parole de l'Éternel na kama muko bantomboji kunenda wa milele la main de l'Éternel sera contre vous mukona wa milele tamikemea comme elle a été contre vos pères. Sa vila alkemea baba baenu. Nous connaissons comment Israël a marché. Tunajua vile Israël alitembea. Chaque fois qu'Israël était dans la parole, wakati wote alikuwa katikati ya neno, Dieu protégeait Israël. Mungu alikuwa anamkinga. Il n'y avait aucun pays ne s'y approchait. Akukwei incha tamo ilikuwa anamkaribia. Mais jusqu'à Israël quittait la parole, lakini wakati tu anatoka neno, Dieu abandonnait Israël. Mungu anamwachiria. Et les ennemis pouvaient envahir Israël. Na wadui wanashika Israeli. Et nous, étant Israël spirituel, na sisi Israeli wa kiro, la même chose se répète. Kitu kimoya kinarudia. Sa main n'est pas courte pour sauver ni pour délivrer. Mukono yake haina mufupi ndio akokoa wala kufungula. Ici nous sommes comme dans une salle d'entraînement. Nous sommes en train de nous entraîner. Comment vaincre là où nous avons échoué? Comment nous en sortir de là où nous avons manqué? Un homme prudent saisit ses paroles. Mutu wa mkaramushi na shika maneno lake. Et mettre cela en action. Na naiweka matendo. Dieu des cieux, Dieu agit. Kumbingu Mungu atatenda yepia. Appelons le prophète qui nous parle aussi. Mwalike nabia yepia tusemeze. Je suis dans la prédication intitulée Témoignage sur l'Afrique du Sud. Nikumu maubira natunga ushuda pa Afrika ya Kusini. Je pense qu'il y a que ça, mais je donne la date pour permettre à ceux qui cherchent. Nazani kupaka hii lakini naleta tarehe juu ya kuruhusu wale wako natafuta. Du 9/54. Yamutare piri mwenje akenda kwa kwa makumi tano na ine. Je suis au paragraphe 60. Yuki starga kwa makumi sita. Votre attention s'il vous plaît. Angalishe yenu samani. La prière est une bonne chose. Maombi ni kitu kizuri. Est-ce que vous le croyez comme cela? Eti mnaamini vile? Le prophète qui dit. Nabia anasema. Mais écoutez ami. Lakini msikie marafiki. Si vous allez chez un médecin. Kama mnaenda kwa wanganga. Et que le médecin vous lui dites oh docteur. Na munganga munamwelezea oh munganga. J'ai tout le temps des maux de tête. Ni galaka tu na kichwa kuluma. Il dit prenez ceci. Anasema mbebe hii. Et il vous donne une aspirine. Anami pa aspirine. Je n'ai pas, donc ce n'est pas un médecin. Aina munganga ole. Il cherche simplement à se débarrasser de vous. Enatafuta tu kukutosha. Est-ce qu'on sont présents? Eti muko hapa. Un véritable médecin vous recevra. Munganga wa kweli atakupokea. Vous examinera et découvrira la cause de ce maux de tête et ensuite atakuchunguza na atavumbula sababu yenye kichwa kiko na luma kisha il s'attaquera à la chose ataenda sasa kumambo yenyewe. C'est là un vrai médecin. Jo munganga wa kweli ule. D'abord faire l'examen. Diagnostiquer. Amen. Trouver la cause du maux de tête. Kupata mbele sababu ya kichwa kiko na luma.
Qu'est-ce qui fait que la tête en répétition te dérange? Pas te donner seulement une aspirine et te dire, battant, ça va aller. Là, c'est juste une façon de se débarrasser de vous. Le prophète dit qu'un vrai médecin, il fait d'abord l'examen. Et il continue de dire, mais alors, avant de trouver un remède, il vous faut trouver la cause. Ne donnez pas le remède sans trouver la cause. C'est ce que nous faisons à la maison. L'enfant a un mal de tête. Ah, ici chez nous, on attrape que malaria et typhoïde. Directement, vous commencez à soigner. Vous-même. Un mauvais médecin que vous savez. Un véritable, d'abord, on doit diagnostiquer la chose. Wakweli mbele batapata sababu. Il vous faut trouver d'abord la cause. Na kupasha upate mbele le sababu. Si une personne tombe malade, kama mtu anagonjwa, il y a une cause qui fait qu'il soit tombé malade. Kuku kienyewe kiku nafanya kusema agonjwe. C'est la bouche de Dieu qui nous parle. Nikinyo kia mungu na tusemeze. Je le prends. Si une personne tombe malade, il y a une cause qui fait qu'il soit tombé malade. Qu'est-ce qui est à la base de cela? Il vous faut. Ça peut être l'incrédulité. Ça peut être un péché caché. Ça peut être un péché non confessé. Ça peut être Dieu qui cherche à ramener. À faire une certaine chose. Je ne sais pas. Est-ce que nous sommes présents seulement? Chaque maladie, il y a une cause derrière. Si ce n'est pas un péché, Zambi, et tu es peut-être un Jonas en train de fuir, et tu vas donner quelque chose pour te ramener dans la cause. Ne mettez pas tout dans le péché, jamais. Dieu, il est maître, il est celui qui nous aime, nous ici. Nous sommes ses enfants. Tout ce qui nous arrive, c'est pour notre bien. C'est pourquoi nous ne devons pas être aller vite commencer à taxer ceci et cela. Vérifions d'abord la cause. Est-ce que nous sommes présents? Ça peut être Dieu qui cherche à ramener, à faire une certaine chose. Je ne sais pas. Mais une fois que je découvre ce que c'est, alors je sais de quoi je parle. Là, je peux dire, ainsi dit le Seigneur. Parce que là, c'est la vérité. Trouvez d'abord la cause avant de donner les produits. Amen. Amina. Prenons le deuxième passage. La profondeur appelle la profondeur. 24 juin 54. Nous sommes au point 47. Votre attention s'il vous plaît. Et maintenant, Sasa. L'organisme est-il quelque part ici? Il est mouillé, il croit franchement fulani. L'organisme, celui qui joue la langue. Ah, où le mpiga binanda, il croit franchement fulani. Quel veille jouer lentement. Alapenda, il a chesa pour le pole. Vraiment lentement, les cantiques croient seulement. Pour le pole, mouimbo, amini tout. Et que chacun, s'il vous plaît, soit dans une attitude de prière. Amoja wetu, akouye mwali amaomi. S'il vous plaît. Samani. Vous n'avez pas, donc, vous n'avez pas à incliner la tête, à moins qu'on vous les demande. Maintenant, Sas. Vous qui venez dans la ligne de prière, faites attention. Soyez, s'il vous réprimande, vous devez, ça sera la vérité, si c'est le cas. Vous devez être disposé à supporter cela. Partout dans l'auditoire, s'il dit quelque chose, vous devez savoir que ce n'est pas moi, c'est lui. Allez arranger la chose. Est-ce que nous sommes présents?
Croyez-vous qu'un prédicateur de la chair sous une onction, c'est un prophète? Et quand les choses sortent de cette chair, ce n'est pas les prédicateurs, c'est le Saint-Esprit qui vous parle directement. Allez arranger la chose. La première chose que vous puissiez faire, avant de trouver le remède, il vous faut trouver la cause. Avant de pouvoir trouver le remède, si étant malade et indisposé, vous allez chez un médecin, je répète la chose que nous avons dit, il vous donne une aspirine, il n'est pas un bon médecin. Cherchez à se débarrasser de vous. Si c'est un bon médecin, il fera le diagnostic du cas jusqu'à ce qu'il identifie la maladie et alors il commencera à travailler à partir de là. C'est la même chose que nous devons faire ici. Si un mauvais esprit, s'il y a un péché non confessé ou quelque chose de ce genre, ou s'il y en a qui sont en dehors de la volonté de Dieu, vous pouvez les joindre d'huile toute la nuit. Votre attention s'il vous plaît. Crier, hurler et faire tout ce que vous voulez. Ce démon restera juste là. Est-ce que grâce à Bernard le présente? C'est vrai. Le démon a le droit. Il en a le droit. Eh bien, c'est à cela qu'il vous faut faire attention maintenant. Si Dieu a placé une malédiction sur quelqu'un à cause de quelque chose, si donc vous venez pour ôter cela, vous aurez des ennuis comme Moïse en a eu. Nous devons être des personnes, des gens vraiment spirituels. Amen. Amina. Parce que des fois, nous avons l'amour qui dépasse celle de notre Seigneur Jésus. Et pourtant, c'est ça la parole de Dieu, n'est-ce pas? Je réponds à l'écriture pour que ça pénètre les enfants de Dieu. Je suis un peu au milieu là-bas. S'il y a un péché non confessé ou quelque chose de ce genre, ou s'il y en a qui sont en dehors de la volonté de Dieu, vous pouvez les joindre l'huile toute la nuit, crier, hurler et faire tout ce que vous voulez. Cet mot restera là, c'est vrai. Il en a droit. Cet mot a droit de rester. Quelqu'un qui cache son péché, il n'aime pas confesser cela, mais il vient que délivre-moi Jésus de la sorcellerie. Il a caché les choses. Qu'on ne vous trompe pas, vous allez faire 40 jours de prière, la sorcellerie ne quittera pas. Il faut la repentance sincère. Dire tout ce que vous avez fait dans le monde d'en bas. Parce qu'il y a que Dieu qui peut voir le cœur et la sincérité de votre cœur. Mais ce n'est pas le théâtre que nous voyons ici. Non, je veux que vous me délivriez de la sorcellerie. Mais quand on veut, est-ce que tu as réellement confessé tout? Et sur base des textes que tu dis, nous allons prier. On a prié. Tunaomba. La nuit, la personne ne s'envole pas, elle retourne dans le monde. On ne se moque pas de Dieu. Garde ton démon. Va de l'avant. Un jour, le dernier sifflet va retentir dans tes oreilles. Et si Dieu a donc placé une malédiction sur quelqu'un à cause de quelque chose, si donc vous venez pour ôter cela, vous aurez des ennuis comme Moïse en a eu.
Vous feriez attention, vous qui aimez bien aller vite, vite en besoin. Est-ce que nous sommes présents? Je vais vous relater une histoire que vous connaissez très bien, mais qui va vous aider ce soir. C'est une histoire que le prophète a parlé dans la prédication intitulée Croire en Dieu. Il a prêché le 24 février 1952. En tout cas, c'est une bonne histoire qui interpelle chacun de nous. Nous allons prendre le paragraphe 36. Là où il est en train de parler d'une monitrice de l'école de dimanche. Vous connaissez l'histoire, mais suivez avec attention. Le Saint-Esprit va vous aider. Au point 36, les prophètes déclarent. Puis après cela, il y avait une jeune fille. Elle est peut-être assise ici ce matin. Je ne la vois pas, mais elle vient rarement. Elle est membre d'une église de New Albany. Une église bien connue, une église remarquable de New Albany. J'étais là-bas. Elle souffre d'une maladie mentale. En quelque sorte, une psychoneurose. Elle ne peut pas, elle ne pouvait même pas quitter la ville ni aller ailleurs. Elle se met à crier, à pleurer et à faire des histoires. Alors, j'ai prié pour elle à deux ou trois reprises, mais quelque chose ne me permettait pas de défier ces démons. Qui avait prié à plusieurs reprises? Le prophète majeur de l'âge. L'homme qui avait reçu la commission de prier sur le malade. Suivez avec attention. J'ai prié pour elle à deux ou trois reprises. Mais quelque chose ne me permettait pas de défier ces démons. Je ne sais pas trop pourquoi. Je ne sais pas. Je n'y arrivais tout simplement pas. C'est une grande amie à une infirmière qui habite là, dans les voisinages. Elles sont venues là. Son état empiré. Cela fait environ 8 ans. Elle est dans cet état-là. Avec un péché caché. Ainsi, l'autre jour, elle est venue et elle a dit, je lui ai parlé, je dis, sœur, la seule chose que je sais, c'est qu'il y a une cause là quelque part. Le prophète a prié à plusieurs reprises, sans suite. Donc, il y a quelque chose quelque part. Je ne sais pas ce que c'est. Je dis, si vous pouviez venir. Elle a dit, on a prié pour moi, mon pasteur. Et elle a dit, mon pasteur m'a envoyé ici. Il a dit, va voir Frère Bill et voir ce qu'il dira. Son pasteur connaissait aussi la capacité de Bill. Pasteur, il a envoyé, allez-y un peu voir Bill. Et bien j'ai dit, je ne sais pas, sœur, j'ai dit, je suis comme votre pasteur. Pasteur, j'ai dit, avez-vous confessé tous vos péchés? Et une bonne question. Soit et de tout. C'est mes biotes. Tout. Biotes. Cette monitrice de l'école du dimanche a une grande classe. Et elle a fait du bon travail. Mais seulement cela était suspendu au-dessus d'elle. Lakini il est quoi tout yuliake? Eh bien.
je ne savais que faire. Imaginez tout simplement comment je me sentais. Je ne savais vraiment que faire. Nous l'avons fait entrer dans la pièce. J'ai dit. Très bien, approchez. Quand les gens venaient, on arrêtait simplement tout. Je l'ai reçu seul dans la pièce. Je me suis assis et je me suis mis à parler des généalogies et du commencement. De l'origine du temps et de tout. Tout en l'observant. C'était ce même matin-là, vous voyez. Dieu est toujours là au moment crucial. Vous savez, hein? Et au bout de quelques temps, je regardais dehors, et voici une vision qui s'est déroulée. J'ai vu une voiture roulant rapidement. La chose commence à venir maintenant. Je dis, votre état a un rapport avec une voiture. Il a dit non. Je n'ai jamais connu d'accident. J'ai dit, soyez humble. Tulizana. Je dis, je vous vois dans une voiture. En train de donc. Un train a failli vous heurter. Train moya ina failli kumibumba. Elle a sursauté, elle a fait oh. Akaluke na kasema oh. Je dis. Kase. Oui, vous n'êtes pas en compagnie de votre mari. Ndio paile fasha ukue na bwana yako. Vous êtes en compagnie d'un autre homme. Urukuya na bwana mwingine. Votre mari était à l'étranger. Bwana yako alisafiri. À la guerre à ce moment-là. Kule ukombi fashmo fulani. Je continuais et je commençais à dévoiler la chose et je dis. Kaendelea na kwanza kuvumbula mambo na nikasema. La chose que vous avez faite. Kitu kenye ulitenda. Les choses immorales. Bitu byenye bya shiposhima. Vous lui avez raconté quelques-unes, mais vous ne lui avez pas tout raconté. Je pense que l'église est branchée. Et elle s'est mise à pleurer. Et à se tenant, il dit que en se tenant le visage comme cela, je dis, il n'y a pas longtemps, vous alliez subir aussi une opération pour vos amygdales. Vous alliez subir. Vous aviez peur de recevoir l'amnésie. Vous aviez peur de dire cela sous l'effet de l'amnésie. Vous voyez, sous l'effet de l'amnésie, la personne dit tout. Elle a tout simplement crié et tombé sur le plancher. Elle a dit, c'est la vérité. Je dis, comment pouvez-vous aboutir quelque part avec cette chose en suspense? Laissez-moi reposer un peu la question, la même question à l'auditoire. Comment, grâce à Bernard, pouvez-vous aboutir à quelque chose avec cette histoire-là dont vous avez laissé en suspense? Elle a dit, j'ai demandé à Dieu de me pardonner. J'ai demandé à Dieu de me pardonner. Je dis, ce n'est pas contre Dieu que vous avez péché. C'est contre votre mari et votre feu que vous avez péché. Je dis, retournez mettre cela en ordre
puis revenir. C'est alors que je pourrais avoir l'autorité sur ces démons, voyez. Est-ce que vous voyez comment les prophètes pouvaient avoir l'autorité sur ces démons qui étaient sur la femme? C'est très très clair. Et si vous voulez vous débarrasser de ces démons-là, allez confesser la chose. Et nous aurons le pouvoir sur ces démons-là. 45 dit, je dis, au fait, votre mari, j'ai décrit son apparence. Je ne l'avais jamais vu de ma vie. Je dis, il doit vous confesser la même chose. Et je dis, eh bien, si vous ne croyez pas, appelez-le au téléphone et dites-lui de vous rejoindre. Kama mwamini umwite kusimu na mwambia kwa kukute hapa. Eletale, akaenda, appelé au téléphone. Akamwita kusimu. Il se sera retrouvé sur la route. Bakajikute pale munjia. Le voilà qui revient. Obale bengu na hudia. Les larmes coulant sur leurs joues. Machozi kuna shuka pana pa machafu ya. Et ils se sont pardonnés l'un l'autre. Bakajisame moja na mwingine. Le démon l'a quitté. Ile mpepo inaenda. Et voilà qu'elle est et donc qu'elle était libre. Est-ce que nous sommes présents seulement? Il n'y avait pas d'exercice à faire pour que les démons partent. Si ce n'est la repentance sincère. Nous commettons des histoires contre notre vœu, propre vœu. Et nous venons auprès de Dieu pour demander pardon. Alors le vœu a été fait devant quelqu'un. Devant quelqu'un. Voyez la personne. Demandez pardon. Et la chose va partir. Mais c'est ça l'ordre que Dieu a donné dans le message. C'est ça le principe même du message. Nous n'avons pas enjambé les étapes. Amen. Amina. Ces démons qui traînent, qui durent sur vous là. Il y a toujours quelque chose. Et c'est la chose dont nous voulons dénicher. Prenons 48. Maintenant, j'aurais pu crier et hurler sur ces démons. Les chasser. Et tout le reste. Mais ils ne laisseraient jamais partir avant que cela soit arrangé. Bon, vous voulez dire que toi ton cas est spécial. C'est ça non? Continuons. Voyez-vous? Vous voyez? Vous devez trouver la cause avant de pouvoir trouver les remèdes. Trouvez la cause. C'est pourquoi quand vous venez pour la prière, nous vous demandons toujours. Est-ce qu'il y a-t-il pas quelque chose que tu dois arranger? Non, pasteur, je ne sens rien. Et sur base de ta déclaration, nous nous prions. Et si c'est toi seulement avec ton Dieu qui connaît les secrets? Et vous connaissez quand le cœur vous condamne. Il n'y a pas quelque chose qui pourra arriver. 49 l'ajoute. Bon, il répète presque ce qu'il avait dit par rapport au médecin. Prenons seulement 50. C'est juste comme un trou dans un seau. Quand vous y versez de l'eau, l'eau va continuellement s'échapper. Il serait mieux de boucher d'abord le trou. Il a fallu faire le jibiri et le tundu. C'est clair. Yawas. Mais le trou est là. Tundu yo ikwa. Vous voulez quelle magie? On a peine de magie à dire. Le trou est là. Vous connaissez qu'il y a le trou. Tundu ikwa. Kubona yo atu asen tundu ikwa. Vous pensez que vous allez puiser l'eau comment? Vous mettrez bien sûr l'eau là-bas. Mais l'eau va partir. Commencez par boucher ce trou-là. Et l'eau sera maintenue dans les seaux. J'aurais pu crier et hurler sur ces démons. Les chasser
et tout le reste, mais il ne serait jamais parti avant que cela soit arrangé. C'est ce que le prophète a dit, non? Est-ce que nous sommes d'accord avec lui? J'ai beaucoup aimé ça. Et ceci est vraiment quelque chose de très réconfortant. Prenons presque la dernière écriture qui est encore longue, qui va encore plus nous aider. Je sais que les spirituels sont en train de saisir. Parce que nous sommes en train de récapituler ce que nous avons fait au courant de l'année. Mais écoutez, si toi tu as le succès dans l'année, mais dans le péché, il y a un grand danger devant toi. Un grand danger, je vous assure. Tu dois te poser la question si réellement tu es fils de Dieu. Si tu es dans le péché, Dieu doit toujours frapper parce que Et s'il ne frappe pas, tu es un enfant illégitime. C'est clair. Amen. Amina. Écoutons ceci. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? C'est une prédication. Il a prêché le 27 958. Nous allons commencer pour gagner le temps au paragraphe 206. Là, votre attention. J'ai un frère, un cher ami. Je voudrais mentionner son nom ici. C'est un frère prédicateur. Son nom est frère Ramsès. Beaucoup parmi vous, prédicateurs qui êtes ici ce soir, son nom figure dans vos registres en tant qu'un frère interdénominationnel à Chicago. Maintenant, regardez. Il avait un garçon, un prédicateur. Il est parti épouser une fille catholique, une jeune fille catholique. Et a commencé comme cela. Vous qui allez épouser dans les dénominations, suivez avec attention. Et a commencé comme cela. Et il est allé faire ceci, cela et autre. Et tout le reste, ils ont eu des ennuis. Son papa est allé vers lui et lui a dit: écoutez donc, fils, vas-tu te réconcilier? Il répond: papa, il a traité leur église d'une bande d'exaltés. Son papa, il a dit: maintenant, écoute, vas-tu mettre cette chose en ordre avec cette église? Il répondit: eh bien, papa, tu es mon père et je ne vais pas avoir de problème avec toi. Très bien, écoutez les gens, les enfants. Le père parti, puis et pris un des diacres, alla le trouver chez lui. Il lui dit: Wesley, je vais te parler. Il a demandé: vas-tu mettre cette chose en ordre avec l'église? Et il répondit de façon cassante. Et le père dit: souviens-toi, Wesley. Et je suis pasteur de cette église-là. Je suis papa.
Mais je vais faire ce que Dieu ordonne. Je te donne 30 jours pour mettre cela en ordre. Sinon, nous t'excommunierons de la présence de Dieu. Tu es mon propre fils. Lui est mon sauveur. Il a ajouté, je t'aime. Et tu sais que je t'aime, Wesley. Je donnerai ma vie pour toi. En ce moment même. Mais tu dois te mettre en ordre avec la parole de Dieu, vois-tu? Il a dit, je suis le pasteur. Je suis le berger de ce troupeau. Que tu sois mon fils ou n'importe qui d'autre, tu dois te conformer à la parole de Dieu. Si tu ne le fais pas, alors je ne suis pas digne d'être son berger. Voilà un pasteur. Oh, ça c'est un pasteur. C'est un homme. Ne pensez-vous pas? C'est un homme. Il a dit ça à son garçon. Il a dit que cela lui avait fait mal. Mais il ajouta, quoi qui donc qu'allez-vous blesser? Qui allez-vous blesser? L'homme ou votre sauveur? Alors a-t-il dit, son allé de l'avant. Et il a dit, il ne voulait pas faire cela. J'en ai parlé à l'église. Voilà un pasteur. Il a dit, là c'est devant l'église. Mon propre fils Wesley refuse de m'écouter dans cette affaire. Il refuse d'écouter le diacre. Vous en êtes témoin? Frère Intel, oui. Très bien. À 8h, le dimanche qui vient, après 4 semaines, s'il n'a pas mis cette chose en ordre avec cette église, nous livrerons Wesley, mon fils, au diable pour la destruction de sa chair. Le sang de Jésus-Christ de cette église ne le protégera plus. Et ce soir-là arriva. Il est Dion Kafika. Il s'éteint à la chair et dit. Il a encore 2 minutes. Il n'avait pas oublié. Il a encore 2 minutes. L'heure arriva. Et il dit, eh bien, comme mon fils Wesley Ramsens a dit à cette assemblée et à toi, Dieu Tout-Puissant. Nous avons fait tout notre possible selon ta parole et tes instructions que ton fils, notre sauveur, nous a laissées. Maintenant, cette église et moi livrons mon fils au diable pour la destruction de sa chair, afin que son âme soit sauvée. C'est tout ce qui fut dit. Rien n'arriva pendant 1 ou 2 semaines, peut-être ou 2 mois. Vous pensez que le jour où il y a un proverbe qui dit le jour où tu manges les capots, ce n'est pas le jour où tu auras les galles. C'est ça, non? Et vous pensez que quelque chose n'arrivera pas? Non, là, tu vas commencer à t'enorgueillir. Vous voyez, ils étaient en erreur. Maintenant, qu'est-ce qui m'est arrivé? Je suis là. Suivez avec attention. 212. Une nuit, le pauvre Wesley tomba malade. Wesley quand il tomba malade, cela s'est empiré. Il appela le médecin.
Le docteur vint et l'examina. Daktari akakuya na kamuchunguza. Il faisait une fièvre de 40 degrés. Alikuwa anafanya maungu moto ya 40 degrés. Sans que l'on puisse en trouver la cause. Bila kupata yenye sababu ya ile maungu moto. Hein? 40 degrés, on cherche, on ne trouve pas la cause. Banatafuta sababu ya ile maungu moto hawakupate. Il allait de mal en pis. Finalement, le médecin a dit, je ne sais vraiment pas ce que ce qui vous est arrivé. Il ne savait que faire. Il a dit, nous ferions venir un spécialiste. Parce que moi j'ai joué. On a fait venir un spécialiste. Et le spécialiste est arrivé. On l'a amené à l'hôpital et après l'avoir examiné et tout, il dit, je ne peux pas vous dire ce qui en est. Mais le garçon a un teint cadavéreux. Sa femme était là en train de pleurer. Et les enfants se tenaient autour du lit et partout comme cela. Et le médecin a dit, il s'en va. Mais c'est tout. Il a dit, son pouls et sa respiration s'affaiblit constamment. À ce moment-là, vous êtes devant la porte de la mort. Le jeune homme a dit, appelle papa. Baba. Oh oui. Oh, oh Dieu. C'est ainsi qu'il faut. C'est ainsi qu'il faut faire. C'est ça. Appelle papa. Baba. Et son papa s'est rendu rapidement à l'hôpital. Très vite pour le voir. Il dit, papa. Baba. Je ne le peux pas maintenant. Michezi, sasa, mais tu entends mes paroles. Lakini kuna shikia maneno langu. Je mettrai tout en ordre. Mita, je mettrai cela en ordre. Mita, oui, je le ferai, papa. Mita, ifanya, baba. Oui, oui, frère. Ndiyo, ndiyo, nduku. Et à ce moment-là, ile wakati, sa respiration commença à redevenir normale. Kupumujika kwake kukaze kurudia musawa. Amen, amen, amen. Amina. D'abord, trouver la cause. Bele pata sababu. Le remède n'est pas loin de toi. Au 214, le prophète ajoute. Et le dimanche suivant, il était devant l'église. Il a dit, je péchais devant Dieu, devant cette église. Je refusais d'écouter les paroles du pasteur. Je refusais d'écouter le diacre ici. Et il a dit, je demande à cette église de me pardonner pour le mal que j'ai fait. Il ajouta, tu as épargné ma vie. Je vous assure, il a vécu droitement. C'est ce que vous devez faire. Si seulement vous y prenez à la manière de Dieu, voyez, c'est la chose que vous devez faire. La main de l'Éternel n'est pas courte. Ni pour sauver, ni pour délivrer. Mais nos péchés mettent la barrière. Dieu, lui, est Dieu. Et votre incrédulité ne l'arrête jamais. Lui continue sa voix. Et sa parole fonctionne normalement. C'est comme un véhicule. On a dit que ce véhicule, c'est une voiture à essence. Mais là, tu dis non, comme le gazoil est moins cher. Laissez-moi prendre le gazoil. Je vais m'en tirer. Allez-y, on mettra le gazoil. Le gazoil va entrer. Tu vas démarrer. Parce que dans le circuit, il y avait un peu d'essence. Mais dès que le gazoil arrive, ça ne s'arrête pas. Itachimama. C'est ça l'entraînement, c'est ça Dieu. Oh, je vais m'en tirer. Est-ce que c'est qu'est-ce qui m'est arrivé? Quand je fais, qu'est-ce qui m'est arrivé? Si tu es fils ou fille de Dieu, attends de voir quelque chose qui va arriver. Chunga kukitu wa fulani kitafika. Avant de trouver le remède, trouver la cause. Inutile d'aller loin. Dieu est à côté de vous. Il n'est même pas loin. La réponse n'est même pas à crier.
C'est là où nous voyons les gens. 40 jours de prière. Ma communauté à Maobi. Et il y a les autres qui donnent le même de conduite. Tu as dit pour que ce démon parte cette semaine de prière. Majuma makumi saba ya maombi. Cette semaine de prière. Majuma saba ya maombi. Et il a soudé le prix, vous priez, vous priez. Munaomba. On verse l'huile. On a mangé ma foudre. Les bouteilles terminent. Chupa ya isha. Les démons têtu. Pepo a kichwa nguvu. Mais les démons connaissent la parole, non? Pepo ya na yo neno la Mungu. Il connaît Jésus. Najua Yesu. Il a demandé à ces gens-là, les exorcistes. Mais nous connaissons Paul. Anaomba, anaonesha wale bantu tunamfamia Paulo. Nous connaissons Paul. Tunamfamia Paulo mzuri. Mais vous qui êtes vous? Lakini mwenye ni banani. Les démons connaissent la parole. Si vous êtes dans la parole, ama kumuneno, le démon est faible. Pepo ni muzaifu. Mais si vous êtes en dehors de la parole, lakini kama uko nje ya neno, le démon prend le pouvoir sur vous. Pepo inakutawala. Là, c'est la loi de Dieu. Pale ni sheria ya Mungu. Et le démon marche dans la loi de Dieu. Na pepo natembea kama sheria ya Mungu. Oui, c'est vrai. Dio ni kweli. Israël n'a jamais été touché quand il était dans la partie. Israël wakati alikuwa msauti ya Mungu akakungusake. Mais une fois qu'Israël est dans la patrie, wakati anaacha fa chi yake. Quel roi pouvait se jouer d'Israël? Falme kana alifanya kumcheza. Quel pays pouvait se jouer d'Israël? Inchi kana à prendre seulement de lui qu'Israël vient. C'est la demandade. La demandade. Pourquoi cela? Israël dans la parole. Israël la même chose avec nous. Regardez Jésus. Quand il marchait seulement dans les rues de Jérusalem. Calme qu'il était. Les démons le regardaient. Il prenait les larges. Mais qu'y a-t-il entre toi et nous, fils de Dieu? Mais tu fais nous tuer avant le temps. Mais c'est ça l'ordre de la parole. Vivez seulement la parole. Vous n'avez pas une autre exercice à faire. Lui-même prend soin du reste. Mais ça devient automatique. Mais vous n'en faites pas. Il n'y aura aucun témoin de votre famille qui fera quelque chose chez vous. On va vous chercher. On ne te trouvera pas. Mais c'est ça. Nous sommes dans la main de Dieu. Pour toucher celui qui est dans sa main. Mais commencer à toucher le propriétaire de la main. Mais c'est comme cela. C'est comme une sœur qui me parlait. Son mari est allé contracter les histoires. Alors il voulait tuer la sœur. Et le féticheur a invoqué pour voir la face de la femme. Il ne voyait pas qu'il y avait qu'elle fumée. Il ne voyait pas. Mais c'est ça les chrétiens. On va te chercher dans le monde là-bas, tu ne seras pas là. Ton Dieu a déjà vaincu. Il a pas vaincu. Il a vaincu d'abord la mort. Il est allé vaincre le séjour de mort. Dis-moi un peu, où est le problème? Pourquoi tu as peur de la boca? La peur montre qu'il y a quelque chose. Mais si tu as arrangé tout, l'assurance te sent. Et la foi est bisexée. Rien ne peut pénétrer. Vérifiez s'il y a quelque chose. Pourquoi on a beaucoup plus? Ça ne vient toujours pas. Une souffrance éternelle. Nous n'avons pas cette promesse. Toi, tu vas rester seulement la main tendue. Il n'y a pas une loi, nous n'avons pas une promesse comme ça. La notre promesse, c'est la main qui donne. Voilà celle qui a le bonheur. Ce n'est pas la main qui reçoit. Mais toi, tu l'as m'étendu. Tu dois vérifier où est le problème. Où est-ce que j'ai failli? J'ai toujours dit, chaque fils de Dieu a une étoile devant lui. Cette étoile doit briller toujours. Parce que le privilège pour lequel Christ est mort
mort, c'est pour ta vous. Et si ça ne vient pas, posez-vous la question pour vous. Vous êtes responsable de votre vie. Chacun connaît sa vie. Et nous cachons ici. Courage, caché. Odari, caché. Mais tu seras toujours comme ça. Ça, 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 ça. Tu n'auras pas le pouvoir sur ces démons-là. Au contraire, les démons vont prendre le pouvoir sur toi. Parce que la parole est très claire. Vivez la parole. La parole prendra soin du reste. Ça ne sera pas ton problème. Ton problème est de mettre la parole en là. Et Dieu fasse. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Pendant qu'on était en train de parler, peut-être tu as vu quelque part où tu as failli. Tu as vu quelque part où tu as eu à commettre une erreur. Mais ce soir, Dieu te dit, il est le Dieu de sa parole. Lui ne faillira jamais. Suivez très bien. Il est là. Il donne à celui-là qui demande. Et vous parlez dans Kabouria ou le Mais la Bible nous dit ce soir, nos péchés mettent la barrière. Je vous ai toujours dit, mes bien-aimés, les petits privilèges que vous gagnez là, peut-être ce n'est pas vous, c'est pour les petits enfants qui sont chez vous là-bas. Parce que chaque enfant a un ange devant le trône, en train de contempler la face de Dieu. Il faut que ces enfants-là mangent. Il faut que ces enfants soient scolarisés. C'est les petits privilège que vous gagnez là. Et vous pensez que c'est tout, c'est la fin? Vous n'êtes pas encore arrivé. Révérifiez. Où est-ce que vous l'avez laissé? On chante quelque chose de chacun par le souffle. Nos têtes sont inclinées. Chenane mukwabu musungiji Yesu wanyinji vila kuji Monaku tatune make mabia babu Kabiena mwaku tupangisha za O musungidi yako Undomba la mungila Jila webe wa moyo Yesu kundekeji O fumu kwa tano mikola kuchaza Uyanani mujulu Musoko wajisanka Yesu kundekeji O musungidi yako Undombo la mujila Jila webe wa moyo Yesu kundekeji Fumu kwa tano mikola kuchanza Uya nani Musoko wajisanka Yesu kundekeji to Baba bulo baeku Bajina nilukuna Baswe kumpinga jamumi ji Kaji wewe musungi jiwani Ia pabwiti Umpatule mulufulwa kashi O musungi di yako Undomba la mungila
Jila we pewa moyo Yesu kunde keji Oh fumu kwa tanu mikola kuchanza Oyanai ujulu Musoko wa jisanka Yesu kunde keji